Comment va l'équipe aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, j'espère comme d'habitude que tout le monde a passé une bonne journée. Les amis, vous l'avez vu, on a passé du temps dans la salle des enchères. La team YouTube, ils ont pas vu, ils savent pas la galère que ça a été. On a passé du temps dans la salle des enchères, on a grind, on est allé chercher des petites pépites. Si je vous dis line-up de la mort, est-ce que ça vous parle ou pas? Une équipe avec des maillots bleus et jaunes, ça vous dit quelque chose ou pas? 73 victoires, 9 défaites et une défaite en finale NBA. On va tester tout ça les gars, j'ai fait ma petite line-up de la mort, mais façon NBA 2K. Il y a des nouveaux joueurs qui sont sortis aujourd'hui et il y a notamment Mr. Kyrie, invincible. Et je vais essayer d'aller le chercher. Vous pouvez le retrouver ici en triple menace hors ligne. Vous pouvez également le retrouver sur la roue du clutch. Et vous pouvez le retrouver ici sur le board de la triple menace en ligne. Et regardez comment je suis malin. Je me suis arrêté l'autre jour, pile avant le dernier tiers. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'arrêter là. Je vais attendre qu'il soit mis à jour. Et comme ça, j'aurai peut-être une chance d'avoir directement Kyrie. On est sur du 200 de QI, les gars. Une technique pour avoir des WC. Alors regarde, la technique pour avoir des WC, c'est extrêmement simple. Tu vas là dans marché de pack. Et tu fais obtenir des WC, tu arrives sur ce menu et là tu prends 450 000 WC à la maudite somme de 99,99€. Il n'y a pas plus rapide. Regardez-moi cette line-up de la mort. Kobe Bryant à la main, Michael Jordan poste 2, LeBron James poste 3, Kevin Durant au poste 4 et Giannis Antetokounmpo au poste 5. Sur le banc, on retrouve Stephen Curry, Carmelo Anthony, Julius Erving, Joel Embiid et David Robinson. Vous comprenez pourquoi je vous parlais de Death Line-up. Kevin Durant poste 4, Giannis poste 5. Quand on sait ce qu'il y a comme type de carte sur le marché, c'est très 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 dangereux. Dangereux de partir avec ça. Je pars avec une raquette là, c'est des nains de jardin. La phrase est folle, mais elle est réelle. On est parti. Game time, baby. Let's go, baby. Kawhi Leonard, Luka Doncic, Kevin Durant, Karim Abdul-Jabbar et Kevin Garnett. J'aime bien. Ouh, ça j'aime bien. Quand ça bouge comme ça, j'aime bien. Ouh là 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 là, le passage en force, il passe pas loin. Ouais, 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 bien joué ça. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement off-ball là? Oh oh. Oh oh, Kobe Bean Bryant. Oh, Michael Jordan, from deep. Petit enfoiré. Viens ici, je te mets une petite presse tout terrain. Ça pose un petit pic. Let's go, merci. Vous avez vu le changement de joueur au dernier moment que j'ai fait? Oh oh, oh oh, oh oh. Kevin Durant, bang bang. Ah. Si j'étais lui, j'essaierais vraiment de chercher à l'intérieur. Hein. Peut-être pas sur le poste 4, mais le poste 5 quand même, Giannis contre... Karim Abdul-Jabbar, c'est pas fameux pour moi. Oh le crabe. Putain, j'ai l'impression d'être de retour en parc, les gars. Il ressort à 45. C'était sûr. Je vais lancer ça. J'aime beaucoup ce système. Quand ça fonctionne, que c'est bien exécuté, c'est vraiment propre. Ah, ça m'a fait de la merde. Il a mis sa second unit, je vais faire pareil. Ah, j'en étais sûr de cette connerie. Stephen Curry, qui fait son apparition avec Carmelo Anthony. On va voir qui est-ce qui cuisine maintenant. Il va faire la passe. Ouf! À l'opposé. Julius! Imagine, on s'envoie une petite isolation là. Pour Carmelo. Pour Carmelo Anthony, qui va décaler Joel Embiid. Ah ah ah! Oh mon dieu! Et la détente des bottes quand même sur les hoops, c'est quelque chose. Hein. Peut-être qu'un jour j'en parlerai dans mon livre. Merci. On a vu à l'opposé ce qui se passe. On a vu Melo. On a vu l'assassin. Oh, c'est un buzzer beater, ça, je reconnais. Oh, et ça, c'est un rush kit au buzzer. Let's go, baby, match suivant. Karim Abdul-Jabbar en poste 2, très bien. La Melo Ball, ouh là 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 là, c'est très très grand, ça. C'est un petit peu mon anti-line-up. Oh, les gars, va falloir être solide sur les appuis. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le frérot, là? Ah, oh non, je suis déçu. Donc là, techniquement, c'est le moment où le jeu me compte une défaite gratos, c'est ça, non? Non, c'est pas pris en compte, c'est écrit. Ouais, ouais, t'inquiète pas, on commence à les connaître, tout cas. T'inquiète pas, des fois, quand je gagne des matchs, parce que le gars est rush-kit, je me prends une défaite. Donc peut-être c'est écrit, mais j'attends de voir. Hein. C'est moi où le jeu il a freeze. On dirait le chargement, il est illimité. Ça m'a compté une défaite. Mais ce jeu, mais c'est très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Luka Takochet, Kawhi, Nikola Jokic. Bon, on a bien sûr un petit pivot reconnu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il nous fait des systèmes? Ça demande un pic? Il va sûrement chercher à faire cette passe que j'avais du coup anticipée. Si c'est un joueur avec de l'IQ... Ah putain, ah, il va défendre que off-ball là, vraiment. Ah la chatte. On est sur du pur off-ball là. Là, on se prend pas la tête. Le gars, il attaque au foul. Il a dit, tu sais quoi, moi, je vais contrôler le joueur le plus grand de l'équipe adverse et le reste, j'en ai rien à foutre. Viens, 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 viens. Feinte. Ah putain, tu peux rien faire. Let's go. Donne-moi Giannis, donne-moi Giannis. Non, c'était pas pour lui la passe. Mais bien sûr que c'était pour Doncic de base. C'est sûr. Allez, on repart. Michael,
Le GOAT. Taco, c'est très fort, mais là, je sais une chose, c'est que je gagnerai pas le match à l'intérieur. Donc, il va falloir que je le gagne à l'extérieur. Je risque donc de me prendre beaucoup de 2 points. Mais, si je mets que des 3 points, ça devrait le faire. Ah, les IA. Ah, les IA qui me spamment comme ça. Merci. Voilà moi. Let's go. Ah, vas-y. Vas-y, on reste zen, c'est pas grave. Il me met beaucoup de paniers, mais c'est beaucoup de 2 points. Ça saute. S'il te plaît, merci. Kobe contre Nikola Jokic. Bizarre. Je pense qu'il va essayer de me faire un drop step. En général, les mecs, c'est ce qu'ils font tous. Voilà. Un classique, hein, il s'est pas emmerdé. Ah putain. Bon, pour l'instant, c'est pas facile. Hein. Il est pas très bon dribbleur, donc ça, c'est bien. Ah, par contre, là. Oh là là. Il a poussé Giannis comme si c'était son gosse. Quoi? Ah, oh, mais gros. Mais Nikola Jokic avec sa détente de zinzin aussi. Oh là là, les retours défensifs que je me prends. Ah, je peux vous le dire, j'ai pas fait le choix de la facilité avec ce roster. Je suis mené, on est à la fin du premier carton et je vais devoir remonter la pente. Là, je pense qu'il va beaucoup plus galérer avec ma second unit parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus grand. Let's go. Allez, ça part de là. David Robinson, il arrive directement aux affaires. Oh putain, il a Yao Ming sur le banc. C'est étonnant, ça. Donne-moi ça, vite fait. Let's go. Carmelo Anthony. Stephen Curry au poste sur Shaq. Ça passe tranquille, ça. Regardez par où il attaque. Regardez par où il attaque. Il va faire 3 secondes. Ah non. Oh là 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 là. Oh, quelle tristesse. Step back. Vas-y, monte, monte. Il fait la passe, vas-y. Oh, Carmelo. Rate pas le ballon. Oh oui. Allez, tranquille. Oh, il va travailler au poste, hein. Classique. De toute façon, faut que je m'attende à ça. Il n'y a que ça à faire. Là, il peut faire des points vraiment faciles. Il s'est fait avoir. Allez. Merci. J'ai vu que le floppy, il le maîtrise. Ça veut dire qu'il sait exactement les déplacements, tout ça. Donc du coup, et en plus, il défend off-ball. Donc c'est encore plus simple, on va dire. Il sait comment faire pour couper la passe. Mais justement, du coup, il me donne une autre ouverture. Il va faire la passe à Yao. Bah oui, forcément. Allez. Le gros corps d'Embiid dans nos positions. Allez, derrière le screen. Carmelo. Je suis à 1 point, les gars. Je reviens très très bien dans le match. Regardez bien l'équipe que je vais aligner là. Alors, meneur de jeu, Kobe Bryant, poste 2, Carmelo Anthony, poste 3, on va changer, on va mettre Kevin Durant, David Robinson, Joel Embiid. Je pense que je vais lui faire mal avec cette line-up. Saute à contre-temps, merci, 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 merci. Oh là. Oh là là, donne-moi ça. Oui, c'est mon ballon ça. Et ça, c'est cadeau. On aura le rebond. Oui, on aura le rebond parce qu'il y a David Robinson, il y a l'amiral. Et on va se projeter tout de suite avec Kobe Bean, Brian from D. Est-ce qu'on peut parler de ses ajustements tactiques de qualité, s'il vous plaît? Et le pire, c'est que ce gars-là, je pense que je le défends off-ball, mais je lui pète le cul. Attends, pourquoi c'est Carmelo, là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, nickel. Quoi? Quoi? Comment ça, faute? J'ai rien fait. Il est allé tout seul en touche, comment ça, il y a faute? Ah bah, on va s'en remettre à Taco Fall. Allez, dégage. Mais putain, mais... Merci. Merci, c'est mon ballon. Et ben voilà. Allez, dégage. Ah, ça me fait plaisir, des petites victoires comme ça. Mais vous avez vu le coup de pression que je lui ai mis, là, début de troisième quart-temps? Il a oublié son nom, son prénom, son adresse. Les gars, j'ai complètement vrillé. Les cadres de l'équipe sont en vente. Je suis officiellement en reconstruction.